congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée des FDLR Foka contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion et admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolais. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur le sol congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commis à Kishishe, Kalake et le 16 juillet dernier à Bukombo dans le territoire de Rutshuru où ces terroristes ont fauché la vie à une vingtaine de paisibles Congolais. À ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda indiquent que tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays, notre armée ne permettra jamais de service de base arrière à la déstabilisation d'un pays voisin à partir de notre territoire, à l'instar de ce que les forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives ont effectué en attaquant et en occupant quelques localités dans le Nord Kivu. Prenons à témoin l'opinion nationale internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des forces de défense du Rwanda et leurs laquais du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre
très vigoureusement. Le plan opérationnel provincial du PDD-RCS Nord-Kivu est à la base d'un atelier ouvert ce lundi 17 juillet à Goma, à l'intention des représentants des différentes couches de la population de Goma et des territoires que compte la province. Ces assises visent à réfléchir sur les stratégies à mener pour l'élaboration du plan opérationnel provincial pour ramener la paix en province. Le lancement officiel de la rencontre a été fait par le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, qui a salué la tenue de cet atelier, car tous les participants ont adhéré à ce projet de développement. Votre participation à cet atelier témoigne sans doute de la volonté qui vous anime d'œuvrer pour la restauration de la paix et la sécurité dans notre province, longtemps meurtrie par des guerres récurrentes et récemment celles nous imposées par les Rwandais sous le label du M23-RDF. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023, dans la localité de Bukombo, en territoire de Rutshuru, 11 de nos compatriotes ont été sauvagement massacrés par les terroristes du M23. La prolifération des groupes armés, ces forces négatives dans la province du Nord Kivu, affectent négativement son développement. Tommy Etamboué, coordonnateur national du PDD-RCS, c'est une occasion d'identifier les véritables actions à mener pour amener la paix au Nord Kivu. C'est une fierté pour nous, pour montrer l'attachement du chef de l'État, l'attachement du Premier ministre, l'attachement de tout le gouvernement à ce processus. Il n'y a pas que le membre du comité de pilotage, mais il y a aussi la synergie des autres programmes. Par exemple, le Fonds social, le programme des 145 territoires, tous ces différents programmes sont sur place pour réaffirmer la volonté du chef de l'État d'organiser et d'aller de l'avant dans la mise en œuvre du PDDSS. Signalons que les travaux vont du 17 au 20 juillet courant. Cet atelier de deux jours vient outiller le leader du groupe armé signataire du protocole d'accord d'Aru. C'est le technique et stratégie de sensibilisation en amont de la descente sur le terrain qui est envisagée dans les tout prochains jours dans leurs milieux respectifs. Appuyé par le PDDRCS, c'est l'instruction du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashuma Johnny, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirumwami, a donné le ton à ses assises. Le PDDRC a fait appel à M. Harry, les sensibilisateurs au niveau national du PDDRC, pour venir parler du PDDRC. Mais avant d'y aller, il a fallu faire un rappel sur les anciennes assises, afin que nous puissions redonner dans les mémoires des acteurs qui vont aller sur le terrain les éléments qui vont leur permettre de sensibiliser les gens. Au fait, l'objectif, c'est qu'on puisse arriver à ramener à la jeunesse de remettre les armes. Parce qu'avec les armes, on ne pourra pas avoir la paix en Ituri. Aux cinq groupes armés locaux ayant décidé d'enterrer l'âge de la guerre, notamment le FRPI, le FPIC, la CODECO, IRDPC, MAPI et Chiniatuna, se joignent le FPP bar API, le Front Patriotique pour la Paix, l'Armée du Peuple, acte vivement salué par le commandant de la 32e région militaire qui appelle tous les réfractaires à y emboîter les pas en vue du rétablissement d'une paix durable en Ituri. Il faut que les armes qui sont détenues illégalement par la jeunesse puissent être remises pour que la jeunesse profite des projets communautaires qui sont en train d'être préparés au bénéfice de la province. On ne pourra pas se développer alors que nous avons une estimation d'environ 20 000 armes qui circulent illégalement dans la province. Appeler la jeunesse qui hésite encore de venir adhérer au processus et être plus prédisposé
pour remettre les armes. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de l'approche non militaire prônée par l'administration militaire qui exécute sans faille les instructions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commandant de la 31e région militaire vient de déclencher une opération et descente dans tous les camps militaires de la ville de Kisangani. L'opération de cette visite vient de se déclencher ce mercredi 19 juin 2023 au camp Lumbulumbu, camp Sergent Ketele et camp Kijé. Le souci de connaître comment les militaires sont logés dans sa garnison. Le commandant 31e région militaire et commandant en place, général-major Mujingamish Timothée, a fait la ronde pour connaître les limites de ces camps. Il avait à son côté son adjoint chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Boringo Mate, et les officiers de son état-major. Le général Mujinga a été inquiet de la spoliation des camps Kijé et des camps Sergent Ketele. Et il a instruit ses services de placer des panneaux pour montrer les limites de ces domaines militaires. Il a annoncé bientôt le dégrèvement de tous les civils qui se trouvent dans les camps militaires. Cette visite cadre dans les attributions en tant que commandant place. La deuxième journée sera au camp base et au camp Lukusa. Après son investiture à la tête de commandement de la garnison de Kalemi, le contre-amiral Bakoulé Nyengele Luc Albert vient de présider ce matin au camp marin sa première parade mixte qui a pris toutes les unités des hommes en uniforme de la ville provenant de Tanganyika. A cette occasion, Bakoulé Nyengele a restitué intégralement le message de chef d'état-major général au profit de FARDC Apincé au camp Koulou à Kinshasa la fois dernière. Vite fait, le nouveau patron de la garnison a donné les buts clairs des différentes parades organisées par l'URJ. Après, il est revenu au message du chef d'état-major général qui s'est focalisé sur quatre points importants. Primo, la mission régalienne de FARDC Apincé. Secundo, les détournements de main-d'œuvre militaire. Tertio, l'utilisation des hommes en uniforme dans les carrés miniers et dans des détachements improvisés. Et quarto, l'apolitisme de l'armée. Il n'a pas manqué aussi à signaler lors de son speech à la parade qu'un bon militaire doit être fidèle à son patron de la République démocratique du Congo, aujourd'hui le commandant suprême de FARDC ainsi que Pincé, Félix Antoine Tshisekedi. Pour ce faire, un bon militaire ne peut jamais trahir son pays. La loyauté wana alobeli amour ya patrie bolingo ya mboka le fait que ozali volontaire oyeyo moko on demi ko servir sous le drapeau on lakisi déjà que ozana bolingo ya mboka on demi makilana we sopana pona RDC on demi makilana we sopana pona protection population na yo. On demande ma clameur et son panapon à intégrité la RDC. Le Okola Tisake, Ozali na Bolingo Yamboka. Les forces armées, la police, Azaka Moko. Mazabi Bale, Azaka Moko. Tango zo trahir Mboka na yo. Tozo bonga ma pana kobunda la Monguna. Yona téléphone na yo. On se communiquer ma cambonions, non bito pas attaquer. Signaler bango kuna. Yeba lisa se kozwa yo. Aucun dete. Mais yeba e kozwa yo. Tango zo trahir baninga. On communiquer na ennemi. Yeba ke kozongela yo. Po lingi mboka te. Ozali moko. Yakuluku, une rue
route principale d'intérêt général ayant un parcours de 115 km reliant les centres territoriaux de Dungu en République démocratique du Congo avec celui de Yambio, chef-lieu de la province de l'équatorial occidental de la République sud-soudanaise, qui est dans un état de délabrement le plus avancé. Sur l'initiative personnelle du général-major Kalunda Fambaka, commandant du secteur opérationnel Ouélé, qui est le militaire engagé dans cette unité des forces armées de la République démocratique du Congo, ont fait les travaux de réfection de cette route principale à une distance de 6 km allant de rond-point Likonga jusqu'à l'aéroport de Dungu, là où est implanté l'état-major sectaire en vue de permettre la fluidité de la circulation. Ces travaux consistent au drainage de marées et nivellement des petites érosions. Le colonel Nyemboka Sungo Tambwe, commandant bataillon de la force régionale d'intervention du secteur opérationnel Ouélé et superviseur des travaux, explique. Sur ordre du commandant sectaire, il nous a instruit, comme c'est une route qui mène là-bas à notre état-major et la route qui mène vers le Soudan, c'est une route qui est pratiquement opérationnelle. Normalement, on doit commencer à voir quelques bourbiers qu'on va commencer à essayer un peu de boucher pour permettre quand même l'accessibilité de cette route. En temps de paix, l'armée peut faire les travaux de campagne. Ce n'est pas seulement faire la guerre. Le développement aussi compte aussi. Les usagers de cette route n'ont pas caché leur satisfaction. Ndenge apesi initiative wana kati na bino pona kosunga mboka ebongaki biso nde na bakolo mboka tosimba mosala me komona volonté bozana ngo vraiment nzambe asunga bino ndenge na moni ba militaire d'ailleurs j'ai surprise pona ngai parce que na milieu oyo tokarisaka teke ba militaire bakoko kosala ndenge na makambo wana ezi exemple malamu pona biso population makambo oyo ba militaire basali ezi exemple malamu pona biso esengeli te bakanga biso kokanga po tobongisa nzela parce que basoda esengelaki bakanga biso ndeme bango nde baye kobongisa nzela sans dérangement. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas seulement la mission de défendre l'intégrité territoriale, l'intégrité nationale et nos frontières, mais aussi de contribuer au développement économico-socio-culturel en tas de paix, comme prévoit l'article 187 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans la province du Sud Ubangi, la collaboration entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la presse locale était au centre d'un entretien organisé le vendredi 14 juillet par les commandants sectaires opérationnels Nord-Équateur, le général-major Kisebwe Lamousseni Isaac, au mess des officiers à l'état-major de ces secteurs. L'objectif visé était la sensibilisation des directeurs et chefs de programme des radios locales afin de bannir dans leur production des discours de haine et de tribalisme en cette période où les joutes électorales se profilent à l'horizon. Pour le général-major Kisebwe Lamousseni Isaac, les médias doivent être l'église au milieu du village afin de préserver la paix et la concorde nationale. Les commandeurs pour faire du calme à cette période. Nous voulons qu'il y ait une collaboration de la population et l'armée, la population et le journaliste, la population avec le monde, que chacun puisse battre librement l'ordre. S'il y a les plans, c'est normal. On voit les services, bien voir, nous sommes là pour trouver les solutions. Les chevaliers de la plume présents à cet entretien ont loué cette initiative de collaboration avec l'armée et en ont profité pour soumettre au commandant secteur opérationnel Nord-Équateur leurs préoccupations relatives aux différentes questions d'ordre sécuritaire. Souvent, par souci des sensations, les médias diffusent et relaient des informations de nature à mettre en péril la paix sociale. En cette période électorale, la collaboration entre les médias et l'armée s'avère donc indispensable. Transi
6 stagiaires de la 34e promotion de l'école de commandement et d'état-major ont effectué le vendredi 14 juillet 2023 une visite d'études à l'état-major de la force aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo située à l'aéroport de Ndolo. Cette visite d'études a eu pour objet de permettre aux stagiaires de concilier les théories apprises avec la pratique dans le cadre du cours des exposés des connaissances inter-armées dans son module état-major et poste de commandement, accueilli dans la salle du club des aviateurs par le chef d'état-major de la force aérienne, adjoint en charge de l'administration et logistique, le général-major Mwepo Mwembe. En effet, les stagiaires de la 34e promotion de l'SM ont été conviés à un exposé fait par le lieutenant-colonel Vita Mavungu Blaise sur la présentation, l'organisation, les missions ainsi que les capacités opérationnelles dans cette unité stratégique d'appui et de soutien des forces armées de la République démocratique du Congo. Au terme de cet exposé, le stagiaire Mukena Kaumba Didier a fait la restitution de cet exposé à la grande satisfaction du commandant adjoint de l'école de commandement et d'état-major, le lieutenant-colonel Mapinduzi Muima Jean-Paul, chef de la délégation qui a fait la présentation des encadreurs qui accompagnaient les stagiaires. À l'étranger, ils ont été formés sur les avions chasseurs. Quand ils sont venus, en principe, ils devaient continuer. Parce qu'il n'y avait pas la disponibilité d'avoir l'avion de place pour qu'ils continuent avec les vols et avoir la main. Ils ont fait autant d'années, ils ne sont pas encore déclarés commandants sur les avions de chasseurs. Le général-major Mwepo Mwembe a indiqué aux stagiaires que la force aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo a beaucoup de défis à relever pour la montée en puissance de notre armée. Cette visite a permis aux 36 stagiaires, dont figurent deux Camerounais, deux Centrafricains, un Béninois et un Congolais de Brazzaville, de comprendre les missions, l'organisation et le fonctionnement d'une force, car ils seront appelés un jour à exercer les commandements ou des responsabilités au sein d'un état-major. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation. Et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Yambo Kanabiso.